Bonjour, bonsoir, suivant côté que wap t'es nous. Et en fait, la communauté haïtienne, pas bon ici aux États-Unis, capable de célébrer une grande victoire. Ça passe là, c'est que pour la première fois, nous réussissons à gagner un député, nous réussissons à gagner un congressman. En plus, nous cassons les États-Unis, ça, il dit, oh, et tout le temps, je dis haïtien, et élu haïtien en élection. Mais laissez-moi dire, nous, pourquoi jamais gagner un haïtien qui arrivait parlementaire au niveau fédéral. C'est une fonction sur ça. Chargé haïtien qui, au niveau de studio, qui prend le sénateur, député, qui a magistrat, mais au niveau fédéral, ou du coup, un parlementaire haïtien, ça, pour que j'en fait, eh bien, action ça, nous réussi à accomplir, Yemadia, avec Sheila Sherfis, ma commune Yemadia, dans l'élection qui a fait pour être remplie. Place vide qui t'a gagné pour 20e congressional district, côté que je ne dis pas, Parti démocrate l'a regagné majorité 222 sites que t'a gagné depuis 2022. Et cher fils, pas connu, qui gagne 42 ans, qui c'est Hefker Compagnie, en fait, il travaille au niveau Hefker, eh bien, facilement, il t'est arrivé battre et candidat républicain qui était en face de l'IA, qui c'est Jason Mariner. Et c'était une place qui était, nous avons dit, qui était safe pour les démocrates. Ça veut dire, il y a des zones de pouvoir dans l'élection où pas besoin de battre simplement pour. Et ça nous relève, pas oublier qu'avant que pour l'élection, il y a une élection qui fait entre les démocrates. Mais pour arriver à gagner une élection, il y a deux zones pour aller où tout gagne. Parce que ça, pour nous comprendre, il y a des zones, pas besoin de gagner un républicain. Et qui arrive à gagner, comme ça, tout. Il y a des zones pas jamais qu'à gagner un démocrate qui gagne. En fait, dans la zone ça, côté que cher fils Tabralia, donc bien entendu, il y a toujours un challenge, puisque il y a toujours fait un primaire. Il faut le clair sur ça. On a dit pour la zone ça, véritable élection, c'est au niveau du primaire. On a parlé d'élection fait entre membres qui même parti. Donc c'est ça. Donc, on nous dit que cher fils pour aller remplacer Alcide Lastine démocrate ça. Et qu'il était en face en 2018 et en 2020 en primaire. OK? Et mais, il se trouve que Astine mourit au cours du mois d'avril parce qu'il était gagné un cancer au niveau du pancréas. Donc, il mourit. OK? Et. Mais faut tout, bah, ça a fait un peu de discussion. Puisque l'élection, ça a été supposé faire longtemps. Démocrate était vraiment frustré parce qu'il n'y a pas 280 jours fait entre passage pour spéciale élection. Ça, vous connaissez, gouverneur de DeSantis en Floride, il connaît bien propre que c'est politique, il connaît bien propre que c'est aussi que les républicains ne peuvent jamais gagner. Donc, il n'est pas vraiment intéressé. 280 jours fait avant pour réussir à faire l'élection. Et donc, de toute façon, justement, pour être capable d'influencer élection, nous connaissons parce que pas dit que majorité démocrate est très mince au niveau de chambre de députés. Et résultat ça et que après Paul et fin fermé, j'en tout là, il pas ton surprise. Puisque déjà bien bonnet dans dimanche élection, on a montré que démocrate enregistré tes grand temps fait n'importe 38 000 sur à peu près 50 000 votes. Est-ce que vous comprenez? Attendez bien, oui? Dans 50 000, 38 000, comme écoutez là. 12 000 pour l'autre. 20e district qui connectait majorité en partie c'est des Noirs de Palm Beach et de Broward County. Et n'a pas rappelé pour dans le cadre d'élection président. Et Biden a gagné sous à peu près 3 pour nous. Ça veut dire que ça, sous chaque 3 et vote démocrate, ou déjà une union républicaine. Vous comprenez que c'est une zone qui en majeure partie c'est des démocrates. Et donc, cher fils, ma connu qui est gagné, et forme de primaire à terre, bonne place, comprenez? Et là, pour nous, que véritable élection, c'est pas élection finale avec le gouvernement, mais c'est pour. Parce que, cher fils, c'est 5 grains de vote, oui. Parce qu'il faut nous remarquer ça. Donc, Haïtien, c'est 5 votes en plus qui te fait pour être capable de gagner primaire. 5 grains de vote. Donc, on dit victoire ça pour le bail dans Florida, premier haïtien américain membre congrès. Dans une région qui gagne à peu près
500 000 Haïtiens. Vous comprenez ça? 500 000 Haïtiens. Vous comprenez, t'as expliqué, cher fils Macoury, 42 ans, l'IT, l'encoustal, t'as supporté médiquer pour tout le monde. Il t'a parlé de Green New Deal. Il t'a parlé de 20 dollars minimum. Ça y est, mon bagaille. 20 dollars. 20 dollars minimum. Il t'a fait campagne ça pour mon pays. Il t'a parlé tout de permanent recovery check pour adultes. Pour mon qui fait moins que 75 000. Mais pour t'a bailler 1 000 dollars de manière permanente. Vous comprenez comme ça, vous t'a toujours bailler. C'est sous ça le fait campagne. Et l'idée de mon message qui était actuellement, c'est pour aider les gens, j'ai un fils, dans l'interview que je fais, dans la première, des UEDL. Donc voilà, démocrate qui va gagner désormais 222 députés au niveau de Chamarous. Et maintenant, ça. Donc voilà, et donc moi c'est que c'est une très bonne information. Peut-être qu'il y a une particularité haïtienne, ça c'est que l'IS fait succès. Parce que l'IS fait toute campagne avec COPAL. Il n'a pas payé pour le mettre l'état financier dehors. Puisque il a parlé de ça, il va les COPAL. Puisque l'IS a gagné des millions de dollars. C'est tout dans le dernier jour de campagne. Ok? Et l'État rapporté un com que l'on a, attendez bien, c'est près de 6 millions, 100 000. Les vous mettez financial information de yon. Ok? Et l'État comparé 6 millions, il y a 86 000 plus par rapport à quoi il y a en 2020. En d'autres termes, c'est un black, c'est un haïtien qui fait succès lorsque nous avons parlé de cher Félix Maconic. Et lui parler de ça, il dit qu'on bon monde cap douter de lui puisque c'est comme quoi il pas de gain droit avec ça et là ouais on a fait succès et gain monde qui pensait comme quoi tu as un mauvais acte pour faire. Donc il c'est preuve de monde qui commence bas qui arrive c'est fait succès, attendez bien, 6 millions de dollars. Donc je pense que il valablement et Sheila cher fils Maconic et lui représenter communauté haïtienne là et valablement dans quatre élections. Et désormais nous capable de dire nous gagnons une haïtienne au niveau fédéral et c'est une grande victoire. Et nous t'a souhaité que lui-même ensemble avec tout l'autre leader haïtien dans communauté yo et justement continuer faire des revendications juste en fait pas oublier que parlementaire aussi des forces de pression pour communauté haïtienne là. Et qui, en fait, pour problème qui ont gagné par bon ici aux États-Unis. Et tant que Jean Dabdil et dans le cadre de la Noire, nous pensons que dans la bataille qui a mené pour 2 millions de TPS, il y a une possibilité pour les leaders de s'arrêter pour un clear reste haïtien, ça a eu la donne. Comme ça, tout, dans la façon de traiter le dossier Haïti, nous pensons que nous avons lagué nous des bras pendus de laisser pour compte Haïti tête en bas, au senti que, effectivement, yo la gen pou nou mouri pou konnen pa gen rien sérieux k'ap fèt en Haïti, pa gen la justice, pa gen sécurité, pa gen rien. Donc pour que ta gen un meilleur prise en charge pour nan cadre rétablissement de contrôle, rétablissement de la paix nan pays d'Haïti, ben c'est la difficile, non pas dire impossible pour nous faire pour konnen si yo pa longin la main. Et nous pensons que nous besoin vraiment yon soutien sérieux pour nous si pour nous rebâtir. Donc voilà guys, parce que c'est yon bonne nouvelle pour la communauté, l'arrivée de Sheila, cher fils Maconic, comme député fédéral, c'est une grande première. Nous, nous devons partager l'info avec nous.